poursuis tes études dans un environnement où grandeur nature prend tout son sens. Une nouvelle version du programme de technique d'éducation spécialisée sera mise en œuvre dès l'automne 2023 au campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Le programme offrira une expérience riche et innovante de familiarisation avec l'approche en contexte de nature et d'aventure. Marc Bert s'est entretenu avec Serge Rochon, directeur des études du Cégep de la Gaspésie et des Îles, pour en savoir plus sur le sujet. Mon nom est Serge Rochon, je suis le directeur des études au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Alors, on se parle aujourd'hui parce que il y a une nouvelle approche d'intervention par la nature et l'aventure en éducation spécialisée au Cégep qui va être proposée à l'automne 2023, c'est bien ça. Est-ce que, avant tout, vous pourriez nous décrire c'est quoi le programme de technique d'éducation spécialisée? Écoutez, c'est un programme qui existe depuis longtemps au Cégep de la Gaspésie et des Îles. La technique en éducation spécialisée permet de diplômer, de former de futurs éducateurs et éducatrices spécialisées qui vont travailler avec des personnes qui ont des difficultés d'adaptation. On peut penser à des jeunes en difficulté, à des personnes âgées aussi. Ils travaillent dans le réseau de l'éducation et de la santé principalement. On les voit maintenant dans les classes au secteur régulier, au primaire, au secondaire. Il y a toujours des éducateurs et éducatrices spécialisées dans les classes qui viennent supporter les professeurs en aidant les élèves qui ont le plus de difficultés. Alors, c'est une formation qui est vraiment très importante pour former des spécialistes de l'adaptation. Donc, ils vont travailler avec des clientèles souvent vulnérables pour leur permettre de s'adapter à leur milieu de vie, à la réalité qu'on peut vivre tous les jours. Alors, dans ce contexte-là, c'est une formation de base qui est vraiment importante. Le marché du travail est à la recherche d'éducateurs d'éducatrices spécialisées parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre de ce côté-là aussi. Alors, c'est vraiment une belle formation qu'on offre au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un reflet du programme tel qu'il se vit maintenant et à quoi il va ressembler à l'automne? Ça va être quoi un peu les différences? Ouais, mais en ce moment, c'est un programme qui faisait des interventions spéciales, par exemple, par la nature. Il y avait un grand séminaire qu'on faisait une fois par année, puis on utilisait la nature comme outil d'intervention. Puis il y a des études qui le démontrent. Qu'il démontre que quand on intervient par la nature, mais ça a des bienfaits chez les personnes. Prenons le cas d'une personne qui souffre de santé mentale. Quand on amène cette personne-là dans la nature puis qu'on fait des interventions avec elle, mais évidemment, ça peut avoir des bienfaits bénéfiques pour sa santé. Alors, il y avait une petite couleur déjà d'intervention par la nature, mais on faisait un séminaire une fois par année, puis pour le reste, c'était une formation classique en classe. Alors là, on apporte deux changements dans le programme. On a révisé le programme. Alors, l'intervention par la nature, on va aller plus loin. Le séminaire du début du parcours scolaire à la première session est toujours là. Il est important parce que ça fait en sorte que en allant dans la nature, les étudiants du programme peuvent se connaître, mieux se connaître. Il y a des liens qui se forment entre les enseignantes et les étudiants et étudiantes. Puis ça part bien le programme. Mais là, on va aller plus loin, c'est qu'à chaque session, on va identifier un cours où on va utiliser l'approche d'intervention par la nature pour permettre à nos futurs diplômés d'utiliser cette approche-là dans leurs interventions. Je parlais tantôt que les éducateurs et éducatrices spécialisées, c'est des spécialistes de l'intervention pour permettre aux gens de s'adapter quand on a, par exemple, des jeunes en difficulté ou des personnes âgées qui vivent le vieillissement. Alors, si on intervient par la nature, on vient renforcer la formation. On vient donner une nouvelle couleur au programme. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément qu'on a changé par rapport à ce qui existait avant, c'est qu'on va faire de l'apprentissage en milieu de travail. C'est-à-dire que je parlais tantôt que les deux grands domaines où nos éducatrices spécialisées travaillent, c'est le secteur de la santé puis de l'éducation. Or, dans chacun des cours, on va identifier des périodes où on va aller dans les milieux de travail pour faire la formation. Donc, ils vont être sur place.
C'est sûr qu'il y a des stages à la fin du programme d'études au bout de 3 ans, mais même à la première session, puis à la deuxième session, puis à la troisième session, on va se déplacer dans les milieux de travail et on pense que ça va améliorer la formation parce que ce qu'on va voir dans les cours, ils vont l'appliquer tout de suite dans les milieux de travail. Alors ça, c'est une dimension qui est vraiment importante, ce qu'on appelle l'apprentissage en milieu de travail. Ça vient vraiment renforcer et améliorer la formation qu'on va donner à nos futures éducatrices spécialisées. En ce qui concerne justement cette intervention par la nature, c'est où est-ce que vous êtes allé chercher cette inspiration-là ou cette idée-là? Parce que apparemment, selon en lisant votre article, ça a l'air d'être assez peu commun, en tout cas dans les DEC au Québec. Ouais, effectivement, il y a peu de DEC qui utilisent cette approche, mais dans le domaine de l'intervention. Donc, dans le domaine de l'intervention en éducation spécialisée, en psychologie, toutes les disciplines qui offrent de l'intervention, c'est vraiment un courant qui est très fort en ce moment. Il y a vraiment un essor de l'approche par la nature, de l'approche d'intervention par la nature, parce que il y a des études qui ont démontré qu'en utilisant la nature, en amenant des personnes vulnérables à côtoyer la nature, mais là, ça a des effets vraiment intéressants sur leur santé, sur leur bien-être. En santé mentale, c'est un bel exemple de ça. Quand on travaille avec des gens qui souffrent, qui ont des problèmes de santé mentale, si on utilise la nature, ça peut avoir un bienfait vraiment sur leur bien-être, sur leur santé globale. Alors, cette approche d'intervention qui est en plein essor, on a décidé de l'implanter à l'intérieur de notre programme d'études, puis on pense que ça va vraiment bonifier notre programme, renforcer la formation de nos éducateurs et éducatrices spécialisées. Puis vous savez, au Cégep de la Gaspésie et des Îles, notre slogan, c'est « Études grandeur nature » parce que on est dans une région magnifique. Alors, on vient d'y donner une couleur vraiment spéciale. On vient de trouver tout un sens à notre slogan dans le programme d'éducation spécialisée. Oui, ça a du sens parce que on voit déjà pour nous en tant qu'individus de passer du temps dehors, d'être dehors, comment ça nous fait du bien. Alors c'est logique que ça puisse aussi guérir certaines personnes. Et c'est sûr, la nature est très riche en Gaspésie. Alors ceux qui nous écoutent et qui ont un intérêt peut-être à avoir plus d'informations ou à vouloir même s'inscrire à ce programme, est-ce que vous avez peut-être une personne à qui on peut contacter ou un site internet auquel on peut se référer? Oui, en fait, tout est sur le site web du collège. Ça, c'est on retrouve l'information sur l'ensemble de nos programmes, y compris éducation spécialisée. Il y a notre page Facebook aussi où on retrouve ces informations-là. Sur la page Facebook aussi, on peut communiquer par écrit avec les gens du Cégep. Si vous avez des questions, on va pouvoir vous répondre en direct. Alors, il y a plusieurs moyens. On peut appeler au Cégep, là, mais les réseaux sociaux aujourd'hui sont très facilitants justement pour obtenir de l'information. Puis une petite dernière question. Est-ce que c'est ce genre d'approche justement, de prendre un programme et puis de lui apporter, augmenter son expérience avec cette approche-là, ça peut donner envie ou à d'autres de vos collègues, on dirait, à ajouter ce type de programme-là? Ouais, c'est une excellente question. Puis justement, au Cégep de la Gaspésie des Îles, moi, je dirige la direction des études, là. On est dans une réflexion parce que la pédagogie en nature, à l'extérieur, ça, c'est un courant fort aussi. On parle là de l'approche d'intervention. Ceux qui sont dans les approches d'intervention par la nature, c'est un courant en plein essor. Mais la pédagogie extérieure, c'est également quelque chose qui est très fort. Au Cégep de la Gaspésie des Îles, dans la dernière année, on s'est doté dans nos 4 campus de classes extérieures. Alors, les profs, dans tous les programmes, peuvent avoir accès à une classe qui est à l'extérieur. On peut donner les cours dehors avec nos étudiants. Quand on est au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, il y a des belles journées. Et c'est vraiment intéressant. Puis ça donne une autre dimension à la pédagogie. Puis on pense qu'on peut aller encore plus loin. Là, éducation spécialisée vient de tracer la voie, mais on pense que d'autres programmes pour les imiter, pour utiliser la nature qui nous entoure, puis donner un côté vraiment intéressant à tous nos programmes d'études. Merci beaucoup, Serge, pour votre temps et puis pour ces compléments d'information. Merci. Bonne journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.